Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau samedi, jour de Saturne. Alors nous allons faire aujourd'hui une vidéo de mauvais conseils. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi, mais enfin j'avais raison quand même, pourquoi j'ai dit ça. Alors dans un premier lieu, je continue de vous représenter les livres. Donc toujours dans la collection Le Duc, ma Bible des huiles essentielles, Daniel Festi, d'accord, excellent ouvrage comme la Bible de l'herboristerie, voyez-vous, c'est par pathologie, et il vous explique, parce que tous ces livres vont être censurés à un moment donné ou à un autre, pour les entorses par exemple, voyez-vous, c'est très très bien fait cet ouvrage. Donc, encore une fois, je conseille ces bouquins, bien évidemment, qui sont pour moi, regardez, c'est très très bien fait. Voilà, donc je vous dis les quatre huiles essentielles qu'il faut et comment les utiliser, etc. D'accord, l'irritabilité, les lèvres gercées, le mal à la gorge, ça c'est bricaton. Vous voyez, maladie tropicale. Vous voyez, donc mycose de l'ongle, par exemple, voilà, mycose digestive. Là, nous sommes dans les mycoses, on va peut-être se passer à autre chose, les peaux sensibles, etc. C'est tout par ordre alphabétique. Donc, excellent ouvrage. Encore une fois, nous n'avons que de l'excellence, bien évidemment. Alors, pourquoi de mauvais conseils? Tout simplement, j'avais raison, je vous avais dit il y a quelques temps d'arrière, que tout était un fil pour un trait. Hier, Figaro, donc le fameux journal, a fait une enquête concernant des gens, un fil pour un trait, au conseil constitué, mais au conseil des points pointa. Commencez à comprendre, voilà. Donc, on va aller voir, je vous avais dit que ça commencerait à sortir et compagnie. De toute façon, ils ont voulu s'attaquer à ces neuneux. Maintenant, ils vont tout balancer les uns derrière les autres. Donc, concernant ce conseil .dd.ta, d'accord, je vous dirai, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à... Parce qu'il y a des gens, pour le woke qui n'a plus de is, il y a beaucoup de gens infil.trait. C'est pour ça qu'on a autant d'ennuis qu'on ne peut pas... Ben, bricaton, vous avez vu, de toute façon, on ne va pas revenir sur le sujet. Mais là, c'est quand même gravissime parce qu'il nous oblige à beaucoup de choses. J'ai vu également hier que chez Morand.dini, j'ai vu effectivement qu'il y avait un de la macroute, là, comme diraient nos amis, qui s'en prenait, il voulait rien entendre. Si vous pensez pas comme nous, vous êtes des N.mi. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Donc, il a osé dire, oui, si vous êtes, si vous vous acceptez pas, les poulets du zèle qui n'a plus de ski, donc, forcément, vous êtes des pro-point-poupou. Voilà. On se rend compte que l'autre pomme vient d'acheter un appartement de 17 millions. Le zèle qui n'a plus de ski. À Dubaï. D'accord? Voilà. Vous le dites quand même. Donc, concernant ce conseil, qu'est-ce qui va se passer? Pour nous, c'est très important de savoir. Mais, alors, hier soir, j'ai pas pu faire vidéo. Hier, j'ai une journée tellement chargée, c'était pas prévu. Et tout est arrivé, j'étais en train d'enregistrer. Oh, punaise! J'ai jamais pu faire la vidéo. Bon. Ça arrive, c'est comme ça. Oui, parce que j'ai un éléphant maintenant, alors ça va vous commencer à crier. En fait, si vous voulez, j'ai une amie qui est Anne-Catherine, que vous voyez souvent sur Affaires Conclues. Elle est du Nord, là-haut, et elle m'a dit, Chris,
J'ai un truc pour toi là, moi qui adore les trucs un peu folle dingue. Et en fait, j'ai un énorme éléphanteau grandeur nature maintenant dans mon salon. Alors, je vais essayer de trouver un moyen de vous prendre les photos, voyez-vous. Et vous verrez, je vous mettrai la vidéo d'achat conclu où il est passé. Voilà, donc c'est Anne-Catherine. Allez voir sa petite boutique, hein, c'est la petite brocante.net. Voilà, elle a toujours, enfin, c'est une pro, hein, puis elle est très élégante, elle est adorable. Moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, personnellement. Voilà, donc ça fait partie des gens qui font partie de nos amis. Voilà, alors dites-moi concernant ce conseil, qu'est-ce qui va se produire? Parce que cette enquête est sortie, mais à mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, parce qu'ils sentent que les autres, là, les macroutes, macroutes de pain. Voilà, donc macroute, dégâts. Excusez-moi. Voilà, je me lâche. Alors, dites-moi concernant ce mauvais conseil. D'accord. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui va se produire avec ça, parce que là, ça devient très grave. S'ils sont un fil pointré de partout. Ça, je vous l'avais dit, on ne pouvait pas dire, je ne vous l'ai pas dit dans une autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je vais me laver les dents. Alors, j'en ai mis partout, je suis désolée, les amis. Ah, là, là, ça arrive, hein, des fois, quand on veut tout faire tout rapidement. Dites-moi, mais qu'il est parti, pas pour un autre que moi, non, qu'il est parti définitivement. Voilà, hop. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ce conseil, ce mauvais conseil, savoir s'ils vont être laminés ou pas, si on va réussir à les dégommer, parce que c'est eux qui nous imposent tous ces trucs, hein. Voilà, mais à mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Alors, je vous ai secoué, je vous ai secoué, allons-y. Voilà. Alors, tout s'écoule pas du tout comme il veut. Oula, ça va. À ce conseil, donc des points pointa. Tout se passe pas très bien, mais on voit effectivement que il y a une forme de nébuleuse ici, si vous voulez, où il y a des lobes point B qui circulent. Vous entendez bien? Des lobes point B qui sont dirigés par la peste aux étoiles. Enfin, ils sont aussi à la peste aux étoiles, je vous dirais. Et ils veulent prendre les manettes de tout. Donc, tout ce qui n'ira pas dans leur sens, ils veulent mettre entre quatre murs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est une véritable dictat qu'ils veulent mettre en place. Mais ces neuneux, comme je vous dis, quelque part, c'est bien fait que c'est sorti, cette histoire, vont pas se laisser faire le foire. Ne vont pas se laisser faire. Sur le plan professionnel, alors je dirais aux gens, là vous ne pouvez pas dire, je ne vous l'ai pas dit depuis longtemps, mesdames et messieurs du maître qui n'a plus d'œuf, je vous avais prévenu et vous ne m'avez pas compris. Voilà, là ils veulent vous bouffer, non, vous manger tout simplement vos affaires. Il y a une action de la peste aux étoiles. Alors, je vous dirai tout de suite, allez hop, il y a une action de la peste aux étoiles concernant notre conseil point D, point A. Vous entendez bien? Donc, il y a bien des infiltrations. Tout de suite, ça me parle légèrement. Pour ça, pour les gens qui ne savent pas qui sont légèrement, c'est de l'autre côté du Rhin. D'accord? Voilà, il y a une influence de ce côté-là, vous le savez au niveau, vous savez, concernant les hélices, là, les hélices en extérieur, d'accord, pour nous faire croire que ça va faire beaucoup de jus, voilà, et comme il faut pas causer, oh, vous revenez vers moi tout le temps, vous me scotchez. Alors là, je vous dirais franchement, la peste aux étoiles veut prendre le dessus, ils veulent danser la carmagnole sur nos corps des... Voilà, oui, ben c'est ça. Ils veulent prendre le dessus, ils vont
essayer de casser, chaque fois qu'on va aller contre la peste aux étoiles, ils veulent casser avec le conseil des pointas. Ici, nous avons les lobes pointés qui nous font. Ah ben non, ils sont en train d'arroser la place. C'est-à-dire que dans ce conseil-là, puisque c'est ce qu'on parle, il commence à y avoir des désaccords en interne, parce qu'on va effectivement trouver du pognon qui circule. D'accord? Alors là, c'est pas des petites sommes, hein, c'est pas des enveloppes, là, c'est carrément des coffres-forts. Sans communication, il y a une forme d'inaction, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui reçoivent du pognon, que l'on soit clair, qui reçoivent du pognon des lobes Pointe-Vie qui se trouvent à Bruxelles et qui veulent s'intégrer de partout. Mais apparemment, il y a beaucoup de pays qui veulent en finir. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là 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 là! Donc là, il y a une rupture. D'accord, il y a une rupture totale parce qu'il y a des choses qui vont sortir concernant le bricaton. Ben, il sort ici, mais aussi tous les gens qui sont à l'intérieur du conseil point D, point A. Les langues vont se délier. C'est une évidence pour une magouille financière et des accords financiers. Et ben là, on l'a bien. Hein? Ici, qu'est-ce que nous avons? Rupture à venir. Le monde de la finance. Ouh, il y a une rupture. Donc, il y a, à mon avis, des choses qui vont sortir chez nos amis les lettrés, les journalistes ou journaleux, d'accord, pour voir. Nous avons ici bien l'escroquerie. Je rappelle que le Bricaton a signé un décret. Vous savez, normalement, on n'est plus propriétaire de son habitation si on est en cas de compoint-flis. Mais lui, le bricaton, a tout mis comme si c'était déjà des menaces. D'accord? Même en cas de menace, alors ça voudrait dire qu'on n'est plus propriétaire. Ici, donc, je reviens à ce que je viens de vous dire. Pour moi, on va leur dire, il va y avoir un gros malaise au sein de cette administration parce qu'il y a des choses qui vont être révélées. Écoutez, de par l'entourage de ces neuneux, et puis je pense qu'ils auront bien raison concernant cette équipe de branquignols. Ça, c'est une évidence. Enfin, là, ça va aller très très mal pour eux puisque là, ça va sortir de toute façon. Alors, projet professionnel, donc ils ont un projet à l'intérieur même. Ah, voilà. Ils ont un projet professionnel, mais c'est comme si tout était stoppé. Si vous voulez, leurs magouilles, si vous voulez, sont stoppées en plein vol, tout simplement d'un coup. Toc, toc, toc. Donc des choses vont être révélées pour de l'argent caché. Franchement, franchement, comme diraient nos amis québécois. Donc les ennemis, qu'est-ce qu'il y a ici? Prise de décision des ennemis. Ah ben là, écoutez, là c'est juste la populace qui en a plus que ras-le-bol et là c'est pour moi, si vous voulez, c'est tartignole, confiture, tartine, ce que vous voulez. D'accord, c'est parti carrément avec les tartines de beurre de confiture, la marmelade, les tartes à la crème, tout ça. Voilà, ça part tout en vrille au sein de ce conseil, de ce mauvais conseil. Le conseil, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Tentative à nouveau. Il va y avoir une réorganisation de tout ça par la suite, les amis, hein? Il va y avoir de ce conseil notamment, mais l'autre aussi, le Constitui, hein, d'accord? Le Constitui.tucio.nl, je vous dirai, aura du vent, du plomb point dans l'aile. Et si nous avons une restructuration, nous serons obligés de tout restructurer
parce que nous allons voir et nous apercevoir que ça va à la volo, à volo. D'autre part, concernant les poulets, vous savez, du zèle qui n'a plus de ski, il se trouve que les patrons, enfin le patron, le grand responsable de ces... Oui, il faut faire ça pour le zèle qui n'a plus de ski, et le grand patron se trouve à Londres, d'accord, concernant les poulets, hein. Donc, ils nous prennent vraiment pour des... Voilà, des truffes. Remarquez, le poulet à la truffe, c'est peut-être bon. Mais là, voilà, ils nous prennent pour des truffes. J'ai vu aussi chez nos amis polonais, je fais un gros coucou à nos amis polonais, que les gens, les amis de la terre là-bas, ont vidé toutes les carrioles qui venaient du zèle qui n'a plus de ski. Voilà. D'accord, il va falloir légiférer. Ouais, mais là, il va y avoir des conflits, hein, tout azimut par rapport à des choses. Vous voyez, une destruction par rapport à des choses qui ont été décidées. Vous savez, concernant le Bricaton qui a décidé de signer un magnifique qu'on pointera avec le zèle qui n'a plus de ski pour 10 ans. À mon avis, ça risque de coincer. Il n'y a pas plus grand ma.fi.a que ces gens-là. Ouh. Écoutez, moi, le pape, je peux plus, là. Le pape, ça fait partie des ne.mi. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont repartir des régions, des villes, des villages, des endroits, chacun. Moi, je vous dirais, les amis, c'est pas compliqué, voyez-vous. Aujourd'hui, nous partons avec mon mari. On va faire, chez dans les fermes, voyez, chercher les légumes. Au moins, on est sûr qu'ils viendront bien de notre belle terre. Enfin, oulala. Si Bricaton m'était compté, si Lutèce m'était compté. Alors, mes amis de Lutèce, hein, je vous adore aussi, hein, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, fin de contrat, changement radical, quelque chose de radical, voyez-vous, on va leur couper les pieds, voyez-vous, là, ni rien n'ira. Alors, ce conseil-là, va y avoir beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de... Mais là, ça va sortir là, maintenant. Il va y avoir énormément de problèmes de, comment dirais-je, des problèmes dans leurs casseroles. Ils vont avoir des casseroles énormes qui vont sortir. De toute façon, je vous disais, Lycée ne va pas cesser faire, ils vont tout sortir. D'accord? Il fallait pas jouer à la poupée. Ben, le Bricaton, vous avez bien compris qu'il raconte absolument n'importe quoi. Voilà. Alors, oh non, il y a une non-réussite par, oh là là, ce conseil constitutif, voyez-vous, il y a pas de réussite du tout, hein. Ils ont, la voile à l'envers, donc je vais vous dire, oh, ils sont à voile ou ils sont à d'autres choses, voyez-vous. Et là, ça me dit, il y aura une action de toute façon, pas pour l'instant, une action où on va leur demander de dégager. Voilà, surtout les gens qui sont implis, point clé, hein. Alors, au niveau international... D'accord, alors là, ça devient intéressant, les amis... Oui, changement radical par rapport à autre chose, hein, par rapport à quelque chose. Pour moi, il y aura d'autres personnes qui vont revenir. Ça ne s'arrêtera pas, mais ils arrêteront. Enfin, ils arrêteront. Ces gens-là seront obligés de s'en aller. Ceux qui sont impliqués, là, c'est la magouille et compagnie, hein, chez nous, hein, au niveau international. Donc, ils étaient bien filtrés, hein, je vous le dis tout de suite. Il y aura une décision de prise avec un... changement de ses sbires. Non, mais c'est une histoire de dingue. Hein. Bon, au niveau, alors c'est bien ce conseil constitutif. Alors, on va apprendre que c'est des gens qui ont pris des tartines endiablées contre nous, hein, ou des décisions tout au moins contre nous pour nous empêcher de vivre nous. D'accord? Tout ce qu'ils faisaient était à l'envers de notre bonheur. Et on était les sacrifiés. Vous avez vu le nombre de comment on appelle ça? Le nombre de millions qui fait de milliards qui donne aux ailes qui n'a plus de ski. Et pendant ce temps, ils veulent supprimer toutes les allocs. Remarquez, j'avais raison, hein, je vous l'avais dit qu'ils voulaient supprimer tout ça. Voilà. Alors ici, décision martiale. Décision.
D'accord. Il va y avoir des demandes, si vous voulez. Je pense que c'est au niveau de régional, au niveau des petites villes et compagnies, ils vont demander carrément d'arrêter avec ce conseil point D, point A, parce que là, il y a beaucoup de magouilles qui vont sortir les unes derrière les autres. Donc, communication. Il va y avoir de la communication par rapport à de l'argent qui a été volé ou tout au moins des magouilles ou conflits d'intérêts par rapport à tous ces gens-là. Donc j'ai raison. Donc ça va sortir les enfants, d'accord? On ne s'affole pas sur le sujet. Alors, dites-moi les amis, est-ce que ces gens-là vont être... Je prends le 32, hein, les enfants. Attendez, je vais mettre ici. Est-ce que ces gens-là vont être débarqués? Est-ce que ce conseil des pointas va être débarqué? Manu militari, chapeau. Événement rapide. Question. Il y a des questions qui se posent. Triomphe. En face, il y a un oui, certitude. Donc, me dit nouvelle par rapport à une prise de décision de certains membres de bureau dits polypointiques. D'accord, me disent clairement que ils vont se réveiller, se rendre compte qu'il se passe des choses pas normales. Et là, c'est de la haute trahison. D'accord, donc oui, ça va être débarqué. Et est-ce qu'on va pouvoir dénoncer le contrat avec les ailes qui n'a plus de ski, qui est un... Ben, il prend tout le pognon, voyez-vous, mais c'est notre pognon à nous qui est donné pour que l'autre, il se paye des appartements de 17 millions à 12 points bail. Eh oui! Est-ce que le contrat va pouvoir être dénoncé? Triomphe dans le travail. Oui, donc je peux vous annoncer, et là j'ai quoi? Changement. Il y aura un changement de toute façon et du blocage pour eux. Donc, il y a une victoire pour nous. Oui, on va pouvoir dénoncer tout cela. Voilà, les amis, on se retrouve donc demain pour d'autres aventures. Et ben, ce mauvais conseil, d'accord, ou on, ouais, je vais, ce mauvais conseil, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, ce conseil, achetez le Figaro, donc d'hier, de vendredi, hein, d'accord, si vous pouvez le trouver. Parce qu'il y a une très belle enquête concernant ces infiltrations. Gros bisous tendres, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures. Bye bye! Thank you.